Caudry, au collège Jacques Prévert, on aime la lecture et le partage. Sur une idée de l'antenne locale de la médiathèque départementale, un échange de livres a été mis en place au sein de l'établissement. C'est l'opération Troc-Livre. Ça consiste tout simplement en un échange entre un livre et un autre. Donc un élève vient, ou même un membre de la communauté éducative du collège, ils apportent un livre ou plusieurs en échange d'un autre. Pour démarrer ce troc-livre, la médiathèque départementale a fait don d'un certain nombre d'ouvrages qui ont immédiatement rencontré leur public. Quand on a communiqué sur l'action, ça a démarré effectivement très très fort. Ça a rencontré effectivement beaucoup de succès. Il y a effectivement des élèves qui ont voulu participer alors qu'ils n'ont pas l'habitude effectivement d'avoir des livres chez eux. D'autres effectivement ont des collections complètes, ont l'habitude de fréquenter des librairies, mais ils étaient aussi heureux de participer à l'opération. Et ce ne sont pas les élèves qui vont la contredire. Nathan et Lilou, Carla, Madeline ou encore Quentin et Éloane sont les meilleurs ambassadeurs de l'opération. J'aime bien cette action, c'est bien, ça fait découvrir des nouvelles choses, des nouveaux livres. J'ai demandé à un ami, il avait peur de donner un livre ici. Moi je lui ai dit donne-le, moi je vais participer aux troc livres. J'ai pris sur les animaux. Bah moi je trouve que l'opération troc livres c'est bien parce que ça évite le gaspillage des feuilles, tout ça, et que ça fait renouveler les livres. J'ai pris deux livres, un pour mon petit frère de 4 ans, il s'appelle Petit Biscuit. Un pour mon petit frère de 8 ans qui est sur la préhistoire parce qu'il voulait le mien tout le temps. Dans le Cambrésis, la médiathèque départementale porte des actions similaires auprès des centres sociaux et des bibliothèques partenaires via les espaces Livres en Liberté. Elle offre aussi de nombreux autres services, ici et partout ailleurs dans le Nord. Je ne peux pas me passer effectivement de la médiathèque départementale. Elle nous prête régulièrement des outils d'animation, des expositions, des malles thématiques. C'est vraiment un partenaire incontournable.